Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Toujours. Ça va toujours bien? Très bien. Donc, retour de lecture, mais avant, on vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Oui, comment repérer un mauvais livre en 30 secondes? Voilà, nous avons utilisé ce roman-là comme référence. Oui. Et histoire de vérifier nos propos, nous allons faire le retour de lecture. Exactement. Voilà. Donc, peux-tu nous présenter le titre, l'auteur? Le titre, c'est Le Piège. Oui. Par Jean Anf Korelitz. C'est Jean. Jean, excusez-moi. Surtout dans la vidéo précédente, j'ai dit Jean. C'est comme Billie Jean. C'est une femme. Oui. Voilà. Elle est américaine. Oui. Elle est née à New York en 1961. Oui. Elle a écrit un premier roman qui se nomme Les Premières Impressions. Oui. Toujours avec Le Cherche Midi en 2016. Et celui-ci, c'est son deuxième. Voilà. En plus de la série, donc, The Undoing sur HBO. Ben, les premières impressions, c'est le roman qui a servi de scénario à la série. Ah, d'accord. Voilà. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch. Alors, on va suivre un auteur. Jacob. Qui a été connu pour un de ses livres. Entre-temps, il écrit, il y en a dans son ordi. Bon, bref, c'est pas... Voilà, je vais pas spoiler. Il devient professeur d'écriture à l'université. Il va rencontrer ses élèves. Il va avoir un élève avec un scénario, une intrigue parfaite, du jamais vu, il s'en vante. Est-ce que je peux dire que l'élève, il va... l'élève va mourir. Oui. Et Jacob, le professeur, donc, va récupérer son intrigue. De là, il va... Tranquille. Voilà. Il va remonter sa pente d'auteur. Il va re-être célèbre. Là, il va exploser. C'est ça. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va le faire chanter pour son intrigue, comme quoi c'est un voleur. Qui le sait, comment et pourquoi. Très bien. Alors. Thriller psychologique, au fait. Hein. Exactement. Alors, nous avons dit dans la première vidéo que tous les marqueurs sont en rouge. Warning, ce livre va être très mauvais. Et bien, c'est pire que ça. C'est nullissime. Voilà. Alors. Toi, tu l'as lu en entier, d'une traite, donc. Oui, d'une traite. Voilà. Parce que quand on avance quelque chose, il faut être sérieux. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balancer des pseudo-vérités comme ça sans les vérifier par la suite. Non, nous nous sommes employés du début jusqu'à la fin. Nous avons lu du début jusqu'à la fin. Dans la première vidéo, attention, warning, au début, pas de dialogue. Et évidemment, le début est extrêmement lent. C'est ça, extrêmement long. Trop de descriptions pour le coup. Trop. Les 50 premières pages, c'est que de la description. C'est ça. Mais sur des détails qui n'ont ni queue ni tête. Pas de dialogue. Pareil, lors de la première vidéo, nous avions fait référence aux parenthèses. Beaucoup trop de parenthèses. Ça ralentit le rythme atrocement. Bon, très bien, mais qu'en est-il de l'histoire? L'histoire peut être acceptable. Je vais même jusqu'à dire l'intrigue peut être bonne. Oui. Mais attention, il n'y a absolument pas assez de matière. C'est-à-dire que ce livre fait 400 pages. En fait, l'intrigue tient sur 100 pages. C'est une excellente nouvelle. Ça aurait pu être une très bonne nouvelle. Ou alors mais là, ça aurait pu être mieux écrit. Mais là, l'écriture n'est pas bonne parce que le rythme ralentit et il y a trop de descriptions et de précisions qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, c'est du remplissage. Je suis totalement d'accord. Parce que sinon, le livre, il ne fait pas 400 pages et on ne peut pas le vendre à 22 euros. Voilà. Donc, ça, y a pas assez de matière. On s'ennuie. C'est ennuyeux. Au-delà de ça, la fin prévisible. Une fin comme ça, on l'a déjà vue, mais des milliers de fois. Tu vois de quoi je parle. Ouais, c'est une fin un peu psychopathe. Mais est-ce qu'on l'a pas déjà vu dans tous les romans? Oui. Hein? Il n'y a rien d'original. C'est vrai. Voilà. Donc, la fin est prévisible. L'écriture n'est pas bonne. Il n'y a pas de rythme. Il manque de l'action. Il manque de la matière. Il y a trop de descriptions. Le personnage principal n'est pas attachant. Vrai ou faux? Vrai. Après, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Et même lui, en fait, le livre est long et le personnage est mou. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas d'action. Voilà, exactement. Ça a été très laborieux. Nous, au début, je ne sais combien de fois on a piqué du nez, tellement qu'on ne rentrait pas dans l'histoire.
Et puis non, non. Alors quand on voit les multiples références élogieuses, dithyrambiques que l'éditeur met en avant à coup de techniques marketing, et quand tu vois ce que tu as au final, on peut dire que c'est une arnaque. C'est des techniques comme ça de marketing, c'est de l'arnaque totale. Voilà. Et quand tu lis la pastille où il y a écrit le meilleur thriller de l'année, mais tu tombes de ta chaise. Là, de tête, sans te mentir, je pourrais te citer une cinquantaine de thrillers supérieurs, mais juste de tête. Si tu cherches bien, il y en a, c'est par paquet de 100. C'est supérieur par paquet de 100. Voilà. Donc, est-ce qu'on conseille ou pas? Non. Moi, j'ai quand même lu 50 pages. Oui. J'ai fait un effort, j'ai essayé de rentrer dedans. Alors que de toute façon, tout ce qu'on a énuméré pour repérer un mauvais livre, même sans le savoir inconsciemment, quand je vois qu'il n'y a pas de dialogue et que le début est long, bah déjà, je ne rentre pas dedans. Mmh. Parce que je sais que ça ne me plaît pas et que je n'y arriverai pas. Mmh. Donc, je n'irai pas plus loin. Après, les dialogues, il y en a après. Oui, mais peu. Enfin, à la 50e, j'arrive à des dialogues, mais ça reste toujours dans le descriptif au final. T'es allé voir les critiques de ce roman ? Oui, il est quand même à 4 sur 5. Voilà, bon. Donc on est désolé. Ou pas. Voilà, faut arriver à un moment, faut. Après, il y a. Mais y a... par contre, oui, les critiques disent. Oui. Comme nous, c'est super long. Voilà, c'est trop de descriptions. Et le début est long à se mettre en place. Donc si au final, pendant 400 pages, ça se met en place et que tu dis que l'intrigue, elle tient sur 100 pages, bon, ben, pas d'intérêt. Faut développer son. Après, ça vient avec l'expérience de lecteur, mais il faut développer son esprit critique. C'est pas parce qu'on vous dit meilleur thriller de l'année que faut s'auto-convaincre. Ah bah oui, meilleur. Non, non, il est nul. Il est nul. Oui, c'est voilà. Vrai que pour un meilleur thriller, y a mieux. Il y a plus d'action. Et encore, nous, on est déçus. Et les personnages sont plus recherchés parce que lui, il n'est pas très recherché non plus comme personnage. Nous, on est déçus, mais on n'a pas payé 22 euros. Imagine, t'as payé 22 euros et tu tombes là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Bref, merci à vous. Merci. Et puis, à bientôt pour de meilleurs livres. C'est ça. Et dont t'as parlé aussi, Le Lac. Oui, qui va être excellent. On a... Ah oui, tiens. Pour notre ami Christophe. On a reçu Le Conte de la Plaine et des Bois de Jean-Claude Marguerite. On va le lire, on va l'envoyer et bientôt, on va relancer un nouveau concours. C'est ça. Voilà. Et aussi, on va revenir avec des critiques Netflix. Ah oui ? Notamment toi. Ah oui, j'ai regardé L'Amour, presque, entre parenthèses pour le coup. Oui. Parfait. D'accord. Voilà, série bien bien française. Genre, feuilleton TF1, wow. Mais TF1 qu'on aime. Voilà. Très bien. Ça t'a emballé. Oui, c'est ça, parce que la dernière fois, j'ai dit, on se croirait sur W9. Mais TF1, c'est pas la même chose et c'est toujours agréable. Très bien. Voilà, ça m'a grave emballé. Eh bien, à très vite pour tout ce beau programme. Eh bien, merci. Allez, à bientôt. Et bon week-end. Merci.